ni le tout, ni la fin, ni le tout. بصيص سلمة فما زمت كتز من خلاص استكاكوزة اني صعبة سلمة فانونة لي نصو زماسة ساس لازالي لعندة تاستومة تا تزليت بس مازلي باستة زاتنا رستة عمس لميزة وتلميز براتو لاني فونة كازا ساس زاتنا عال اماس نعمادر على التوفوس ورزو Mas quando os apotem zoom lá dos anos, ou mais brinca na tostão, se te escopou dos anos, nessa água estou a mim, te sarostra se te sapomalossos. Mas alors, qu'est-ce qui fait la lèpre? Qu'est-ce qui fait la maladie? Les symptômes? Non, c'est pas ça. C'est ailleurs que dans les symptômes. Cette maladie-là, celle des symptômes, c'est la maladie sociale. Mais l'autre, c'est peut-être elle qui nous fait. Peut-être que ce n'est pas un état exceptionnel. On n'en verrait que des pointes de fièvre. Alors, ce ne serait pas un état différent. Et si on pouvait vivre la maladie comme on vit la santé? Parce que, qu'est-ce qu'on fait avec la maladie? On la refuse, à tout prix, même s'il faut refuser parfois ceux qui la portent. Ce qu'on veut, c'est la faire disparaître. Mais rien ne disparaît. Alors, où elle va? Peut-être qu'on la retrouve ailleurs, comme une autre maladie, qu'on combat aussitôt. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'arrêtera jamais alors. Et on inventera de plus en plus de maladies, de plus en plus complexes. Et ce qu'on appelle santé sera de plus en plus restreint, de plus en plus difficile à garder. Et si c'était la santé qui était douteuse, trompeuse, si elle n'existait pas, si on arrêtait de l'opposer à la maladie,
qu'on s'écoute, qu'on ait l'impression d'être les deux à la fois, malade, en santé. Vraiment, la santé. Cette question-là, il faudra bien se la poser.